Bonjour chers auditeurs, je suis Corentin du podcast La Mécanique du Livre. Petit message introductif, déjà pour vous remercier de suivre ce podcast. On a mis beaucoup de cœur à le produire et on est vraiment ravis de voir son succès. N'oubliez pas que nous sommes toujours heureux de voir vos retours, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis aussi là pour vous informer que durant les mois de février et de mars se tient la campagne d'abonnement des éditions du Comment. Le principe est simple, en vous rendant sur le site des éditions, vous pouvez vous abonner à raison de 7 ou 10 euros par mois pour recevoir tous les livres de notre catalogue 2020 dans votre boîte aux lettres avant leur sortie officielle en librairie. Cette campagne vous permet notamment d'éviter les frais de port, de recevoir des petits cadeaux, et de notre côté, nous assure une trésorerie régulière précieuse. Comme vous le découvrez en écoutant La Mécanique, nous sommes une maison d'édition associative, et cette pratique de l'abonnement constitue un soutien très important pour nous. Ce soutien nous permet de continuer à éditer des livres passionnants, mais aussi à produire gratuitement ce podcast par exemple. Alors si notre ligne éditoriale vous intéresse, ou que vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner en vous rendant sur le site des éditions du Comment. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente écoute et encore merci de suivre ce podcast qui nous tient à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du Comment. Bonjour Benjamin. Salut Corentin. Pour commencer, je voudrais préciser que cet épisode aura peut-être une qualité sonore un peu inférieure à ce qu'on a essayé de vous proposer au cours de cette première saison. En raison du confinement, on l'a enregistré dans des conditions un peu différentes. Du coup, pour ce dernier épisode, on a choisi de s'intéresser à une pratique éditoriale qui fournit chaque année de très nombreux ouvrages au marché du livre français, la traduction. On va donc s'efforcer de vous montrer quels sont les enjeux légaux, économiques et créatifs de la traduction, mais aussi comment, en tant que maison d'édition, on peut tâcher de porter ses ouvrages au-delà des frontières de son pays. Pour commencer, Benjamin, peut-être qu'on peut voir comment on en vient à vouloir traduire un texte en tant qu'éditeur. C'est à peu près la même démarche que pour un texte qui nous arrive ou un texte qui nous plaît en langue française, c'est de sentir sa pertinence à être partagé, avec la seule différence où on a l'avantage d'avoir la résonance et l'écho qu'il a déjà eu dans sa langue originale, et donc de compléter notre intérêt pour un texte par l'engouement de l'éditeur, du lectorat dans l'autre langue. Du coup, j'imagine qu'il y a toute une démarche de recherche dans certaines maisons d'édition. Je sais qu'il y a même un système de veille qui est mis en place avec les éditeurs qui cherchent chacun de leur côté dans différentes aires culturelles. À la Talente, ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est le cas pour nous ? Nous, non, parce qu'on en fait très peu et on n'avait pas focalisé notre énergie jusque-là à cet endroit-là. Mais effectivement, il y a des veilles, il y a des marchés pour ça. Les gros salons du livre comme Francfort et tout ça sont des salons d'échange de droits, de cessions de droits, etc. Principalement, les textes qui sont arrivés, le seul texte aujourd'hui traduit était quelque chose avec lequel j'ai démarré les éditions. Je l'avais déjà dans la poche et comme souhait. Mais autrement, les autres pistes sont venues à nous. On nous a proposé des traductions comme on nous aurait proposé des manuscrits. Soit des traducteurs-traductrices qui nous proposent d'arriver avec un livre à traduire, soit des gens qui nous disent « Oh, ça, ce serait bien et ce serait nécessaire de l'avoir en langue française. » Très rapidement, c'est quoi ces textes qu'on a déjà traduits et qu'on envisage de traduire ? On est paru en 2018, septembre-octobre 2018, l'entretien avec Solalinski. Donc là, c'était... Solalinski, qui est organisateur communautaire dans les années 40, 50, 60 à Chicago, avait écrit deux livres et édité deux livres. Les deux ont été traduits dans des périodes différentes en France, mais pour nous il y avait un autre support intéressant dans tout le mythe de Solalinski, qui était un long entretien qu'il avait donné à Playboy, qui, au-delà d'être connu pour toutes ses photos de femmes dénudées, est aussi un magazine qui publiait des longs entretiens fleuves. Et voilà, il y avait l'entretien de Solalinski
donc qui avait été rapidement traduit et donné à lire en ligne, mais qui n'avait pas fait le travail, qui n'avait pas été édité, qui n'avait pas fait office d'un travail éditorial et d'un vrai travail d'une traductrice. Donc on a négocié pendant 2 ans les droits avec Playboy et on a entamé le travail avec Lise pour cet ouvrage. Et de me demander les autres ouvrages. Et donc, on n'a que 2 ouvrages aujourd'hui en traduction. Et le deuxième est à paraître en janvier prochain. Son titre original est Joyful Militancy. Et ce que si c'est Juliette Rousseau qui le traduit. On est en plein travail de traduction, aller-retour, échange, réécriture. C'est ce qui a motivé d'ailleurs le tournage de cet épisode, c'est qu'on a des choses à raconter dessus. Autrement, c'est vrai que ça aurait été... Le fait qu'il y ait cette traduction en action en ce moment fait qu'il y a plein de choses à raconter de notre côté. Une fois que le texte est choisi, avant de passer à la traduction, comment est-ce que ça se négocie, la publication de celui-là ? C'est quoi les impératifs, on va dire, légaux, mais aussi économiques, d'une traduction en France ? Tout d'abord, convenir d'une session de droit avec l'éditeur original, s'entendre sur un montant... vis-à-vis de conditions de cession de droit, un territoire, une langue, une durée, etc. Et nous, en face, on paye un montant de rémunération de droit. Et la deuxième démarche de contractualisation, c'est avec la traductrice qui fait office d'un contrat de traduction. On a repris le modèle et les bases porté par la TLF, l'association des traducteurs traductrices en langue française, c'est une association qui fait du lobby, en tout cas vraiment une position de défense, de protection, d'échange entre les traducteurs et traductrices, et qui fait aussi office de ressources pour les éditeurs et éditrices qui chercheraient à se mettre en contact avec quelqu'un pour traduire un ouvrage. Donc là, le contrat de traductrice met en place aussi les conditions de notre travail ensemble, la durée, le type de travail et peut-être la particularité par rapport à un contrat d'auteur ou contrat d'autrice, c'est que on convient d'un nombre de feuillets, nombre de signes que l'on va traduire et en face d'un montant d'avaloir que l'on verse qui est plus conséquent que pour un auteur ou une autrice, et en face, et derrière, il y a bien ce qui dit à valoir, il y a bien pourcentage de rémunération sur les ventes ensuite. Donc le traducteur ou la traductrice, en l'occurrence, il va toucher des droits l'équivalent des droits d'auteur et une somme donnée au début. Tout à fait. Et une somme qui a été justement négociée et qui est un minimum nécessaire pour vivre sur des travaux longs. Une traduction, c'est plusieurs mois, voire années, suivant les ouvrages et le travail nécessaire. Donc, ce qui est un minimum aujourd'hui posé pour la traduction et les traducteurs-traductrices devrait l'être aussi pour les auteurs-autrices. On va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent. Et de toute façon, c'est un éternel sujet qui, tant qu'il ne sera pas vraiment traité par des conditions légales, par la responsabilité de l'État, etc., on a un vrai statut d'auteur ou d'autrice pour vivre de son œuvre. Mais en tout cas, voilà, là, aujourd'hui, un ouvrage comme Joyful Militancy, c'est 6 000 euros d'avaloir à verser, en 3 fois, une à la signature et au démarrage de la traduction, une à la réception de la traduction finie, et un dernier tiers à la validation de la traduction finale. Tant qu'on est sur les droits d'auteur, comment ça se gère au niveau des droits d'auteur de l'auteur original à l'étranger ? Alors dans le cas de l'entretien avec Solalinski, ça se posait pas trop, mais Joyful Militancy, je sais pas... Je refais un petit point de vigilance qu'on ne dit jamais assez dans tout ce qu'on diffuse, que ce soit le podcast, les frises ou les diagrammes, c'est que tout ce qu'on leur dit concerne bien les éditions du commun et pas une généralité. On peut pas parler de grosses maisons d'édition comme Gallmeister qui traduit énormément et qui doit avoir d'autres niveaux aussi de diffusion, de quantité de livres vendus, et donc de droits d'auteur versés. Nous, on a payé une seule fois pour une durée,
qui est la cession de droit. J'ai plus en tête, donc pour Joyful Militancy, c'est à l'éditeur américain AK Press, et je crois que la cession de droit est autour de $1,000. Et après, c'est eux qui s'entendent avec les auteurs autrices pour se partager cette somme-là. Mais c'est vu comme un forfait et non plus comme une rémunération au pourcentage sur nos ventes à nous. Ça pose une autre question légale qui me vient tout de suite, c'est qu'on disait que, enfin on l'a déjà dit ici, mais on a comme pratique, comme volonté de diffuser au maximum nos textes en libre accès. Et ça, c'est sans doute beaucoup plus difficile quand on parle de textes à l'étranger. Enfin, j'imagine que négocier avec Playboy le fait de mettre en Creative Commons l'entretien, c'était un peu exclu. C'était exactement exclu. On a essayé de l'évoquer sur d'autres questions qu'on voulait un peu plus larges avec eux, et ça a été impossible. Donc, on a laissé tomber. Donc, ça fait partie de ces ouvrages où on peut télécharger en PDF et n'avoir que sous licence libre la préface d'Yves Citon. L'ensemble de l'ouvrage est complètement copyrighté par Playboy. Et donc, ça, effectivement, c'est une vraie question aujourd'hui. Pour Joyful Militancy, on l'a pas encore solutionné. Je ne sais pas si on l'aura solutionné pour la sortie de l'ouvrage, mais c'est question juridique. Et là, il faut s'entourer. On bricole pas à cette échelle-là sur notre capacité à diffuser. On est en contact pour Joyful Militancy avec les auteurs autrices en direct, et ils sont eux, par contre, très partants pour les démarches de Creative Commons, la mise en ligne des textes, etc. Donc voilà, c'est et un accord avec la traductrice, parce que le texte qu'on va diffuser, c'est bien son œuvre aussi, et un accord avec les auteurs, autrices originaux. Puisqu'on en est à parler de Juliette, c'est la personne, c'est la traduction qu'on a dans nos fourneaux actuellement, c'est la personne qu'on a choisi d'aller interviewer pour l'occasion et voir un peu quel travail de traduction elle pouvait effectuer. Je suis autrice, je suis militante. J'ai pendant longtemps travaillé à organiser des mobilisations, des actions dans des milieux militants. Et en ce moment, je suis traductrice pour les éditions du Commun. Du coup, c'est pas quelque chose pour lequel tu as été formée a priori, la traduction ? Non, j'ai jamais été formée à la traduction. J'en ai fait beaucoup depuis des années, notamment dans le cadre militant. J'ai traduit des textes et j'ai fait beaucoup d'interprétations aussi dans des réunions, dans des rassemblements, etc. D'accord, ok. Pour toi, c'est une part importante de ta démarche militante de faire transiter les textes d'une culture, d'une langue à l'autre ? Oui, tout à fait. J'ai milité assez rapidement dans des milieux altermondialistes, donc avec des personnes issues de différentes cultures, de différentes régions du monde, avec des histoires, des parcours et des pratiques politiques assez différentes les unes des autres. Donc pour moi, la question de la traduction, en fait, elle a toujours été au centre de mes pratiques politiques. Et effectivement, la question des textes et des réflexions aussi, de comment on peut faire passer d'un contexte culturel à un autre des réflexions et des pratiques politiques, c'est vraiment, vraiment important. Il y a un certain nombre de textes qui paraissent, qui correspondent, comme je le disais, à rien, c'est-à-dire qui renvoient à des thématiques qui sont très peu traitées en France. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu dans les années à venir à essayer de donner de la visibilité à ces approches-là. Comment est-ce que tu t'es sentie légitime à transmettre en fait ce message en langue française depuis une langue qui n'est pas ta langue maternelle? Alors, comment je me suis sentie légitime? J'ai beaucoup travaillé sur moi. Non, je rigole. Non, je me suis sentie légitime. Surtout, avant de me sentir légitime, j'avais vraiment envie de le faire. Ça, c'est la première chose. Donc, ça correspond plus à un désir, à une envie. Après, en tant que personne, effectivement, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, mais je lis beaucoup en anglais et je parle beaucoup en anglais avec d'autres personnes qui sont dans des milieux de lutte. J'ai une connaissance de l'anglais qui a à voir avec certains sujets, encore une fois. Et il a pu m'arriver de lire des textes que je connaissais en anglais traduits en français et d'être assez frustrée parce qu'il apparaissait assez clairement que la personne qui les avait traduits était sans doute un ou une très bonne traducteur, traductrice, mais n'avait pas nécessairement connaissance des termes qui pouvaient être employés, enfin de la façon de traduire les termes en français. Un exemple, un très bon exemple que j'ai lu ces derniers temps, c'est en, en, en,
En anglais, on va utiliser le terme « people of color » et en français, on va traduire, si on est, par exemple, un traducteur qui ne maîtrise pas les sémantiques militantes, on va dire, on va traduire « personne de couleur ». Or, on n'utilise pas « personne de couleur » en France, on dit plutôt « personne non blanche », voire « personne racisée » selon les milieux politiques. Il y a plein de subtilités qui ont à voir avec une intelligence, on va dire, de milieu ou de pratique, encore une fois, de domaine. Et si on ne les maîtrise pas, on risque de traduire dans une langue qui n'est pas forcément la plus appropriée ou qui peut soulever des questions politiques, alors même qu'on n'a pas cherché à les soulever. Voilà. Du coup, on dit souvent que c'est pas forcément bienvenu ou c'est pas très pratiqué de traduire vers autre chose que sa langue maternelle. Mais pour toi, c'est aussi préférable de traduire dans des domaines auxquels on est habitué, de préférence, quoi. Ah, très clairement, très clairement. Je pense que c'est vraiment important, y compris pour pouvoir assumer de prendre des libertés avec le texte, parce qu'on pense qu'à un moment donné, la traduction justifie de s'éloigner, de prendre une certaine distance pour pouvoir coller à une idée qui va mieux fonctionner dans un contexte français. Et je pense que là, il y a tout un tas de... C'est pas du tout... comment dire ? Ça n'est pas littéral, évidemment, et ça doit se faire en fonction d'une connaissance qu'on va avoir du lectorat, notamment, et des questions comme elles se formulent en France. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'on va traduire des questionnements qui n'existent pas, mais que l'enjeu, c'est quand même de leur donner un écho dans un contexte francophone, ou en tout cas français. Et du coup, il y a vraiment un enjeu à faire que la traduction, elle permette ce processus-là. Et à quel moment tu fixes la limite entre... les libertés que tu prends et le texte, en fait. Mais je dirais que la limite, elle est dans l'idée que tu cherches à traduire. C'est-à-dire, la limite, elle est à partir du moment où tu ne traduis plus ce que le texte a cherché à dire. Mais la traduction, elle va pour pouvoir... je ne sais pas, un exemple très concret, ça va être par exemple... l'anglais, et a fortiori l'anglais tel qu'il est pratique, tel qu'il est parlé aux États-Unis ou au Canada, dont sont issus l'autrice et l'auteur de Joyful Militancy, est un anglais qui permet une grande virtuosité. On a un ensemble de termes qui n'existent pas en France, y compris on peut jouer avec ces termes-là de façon qui permettent de donner des idées qui, y compris, n'existent pas en France. Donc, pour le dire très concrètement, je vais pouvoir exprimer une idée assez subtil en anglais, en une phrase assez courte de 10 mots. Et si je veux l'exprimer assez fidèlement en français, eh ben, je vais rajouter 30 mots à ma phrase. J'exagère un petit peu, mais c'est pas loin de ça. Ce qui veut dire qu'effectivement, ma traduction, elle s'éloigne du texte parce que je vais rajouter un certain nombre d'explications, mais qui, en fait, j'ai pas le choix si je veux à un moment donné que l'idée, elle soit transmise aussi simplement. Je vais donner un autre exemple. C'est white entitlement en anglais. Il n'y a pas de traduction idéale en français, mais en gros, c'est l'idée que, en tant que personne socialisée dans une hiérarchie raciale, en tant que personne socialisée comme personne blanche, on a une certaine idée de notre propre légitimité au monde à avoir accès à un certain nombre de privilèges. C'est ça l'entitlement. Voilà, tu vois la façon dont j'ai eu de te l'expliquer, elle est beaucoup plus longue que l'entitlement. Donc il n'y a pas un terme en français qui va me permettre de le traduire de cette façon-là, mais y compris l'idée de white entitlement, elle est assez, je ne sais pas si elle est assez répandue, en tout cas elle existe dans le contexte nord-américain, et dans le contexte français, elle n'est pas du tout évidente encore, quoi. De façon plus générale, le travail de traduction, tu le définirais comment, en fait ? Comment est-ce que très concrètement ça se passe quand tu décides de te dire « Allez, je vais prendre ce livre-là et je vais le traduire entièrement en français dans le but de l'éditer ?» Alors, moi, je suis pas traductrice de formation et je fais plein d'autres choses dans ma vie que de la traduction, donc je ne me sentirais pas capable de définir le travail de traduction en général. Mais pour moi... Le travail de traduction, c'est d'abord un texte qui me plaît énormément et sur lequel j'ai envie de travailler. Et donc, effectivement, il me plaît... Comment dire ? C'est pas seulement de le lire qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est d'imaginer comment il peut se traduire dans un contexte français et en langue française. C'est vraiment comment ces idées-là, comment cette texture-là, elle peut exister en français. Et ensuite, concrètement, le travail de traduction, ça va être... pour moi, ça va être... je crois que j'ai trois étapes un petit peu. J'ai une première étape, alors évidemment, qui est de
m'imprégner du texte, de chercher à le comprendre, ce qui peut impliquer notamment d'aller lire d'autres choses, d'aller voir les références, etc. Dans un deuxième temps, ça va être de faire une première traduction qui va être la traduction qui va être une traduction qui cherche à traduire le plus fidèlement toutes les idées du texte, mais qui va pas se soucier quelque part ou assez peu se soucier de la forme que ça va prendre en français. Et une troisième étape qui va être de retravailler le texte pour lui donner une forme désirable, on va dire, en français, et qui continue de coller aux idées d'origine. Et tu rencontres des difficultés particulières dans cette tâche-là ? Je pense notamment à la traduction du titre, qui est encore en cours, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Oui, les difficultés, c'est notamment le fait que donc là, précisément, dans cette histoire-là, dans le titre, il y a le terme de militantisme qui n'a pas exactement la même, qui ne se définit pas exactement de la même façon en anglais et en français. En tout cas, c'est un mot qui n'a pas la même histoire dans les deux contextes. Et donc, on est un petit peu bloqué parce que dans le contexte français, ça donne pas hyper envie d'utiliser le terme militantisme. Et en même temps, pour le moment, on lui a pas trouvé de substitut. Les difficultés, ça va globalement être ce genre de choses. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas avoir des termes qui sont soit qui ne correspondent pas exactement à la même chose, soit, comme je te le disais un petit peu plus tôt, des termes qui n'existent pas, en fait. Et c'est pas seulement que le mot en lui-même n'existe pas, c'est que l'idée à laquelle il renvoie, elle est encore à faire exister, elle est encore à disséminer, on va dire, dans le contexte français. Et c'est vrai que, pour s'éloigner un peu du travail de traduction sur Joyful Militancy, c'est un phénomène qu'on peut retrouver peut-être assez récent finalement, du fait que les milieux militants, notamment chez des générations plus jeunes, anglophones et francophones, enfin anglophones, filtrent vraiment vers le francophone. Oui, mais ça reste quand même... Alors il y a plusieurs choses là-dedans. D'une, ça reste minoritaire au sens du nombre de personnes qui ont la capacité ou la possibilité de faire ça. Après, c'est pas minoritaire du point de vue du pouvoir, parce que je pense que effectivement, on a quand même une espèce de partie, en tout cas, je pense d'une espèce d'élite pensante qui peut lire en anglais et qui peut y compris utiliser tout un tas d'anglicismes en s'exprimant, ce qui pour moi est un problème. Mais on a un autre problème là-dedans vraiment très fort, qui est que l'anglais est une autre langue impériale, comme le français, et qu'on a vraiment, pour le coup, une absence totale d'accès à des textes dans des langues non coloniales, des langues colonisées, mais dans lesquelles on a un vivier de pensées, de pratiques qui mériteraient vraiment d'être connues. Donc là, c'est encore un autre aspect du problème. Le problème étant que la traduction, c'est une question matérielle, parce que c'est des compétences qui doivent être rémunérées, et que donc effectivement traduire des textes, ça a un coût, et donc ça n'est pas si facile de traduire tout un ensemble de textes. Ça n'est pas qu'une question matérielle. Je pense qu'il y a aussi clairement un biais colonial qui fait qu'on s'intéresse essentiellement à des textes qui sont produits dans d'autres pays du Nord, dans des langues qui sont d'autres langues coloniales, et qu'effectivement on va assez peu voir ce qui se passe par ailleurs. Moi, je suis très intéressée par les questions féministes et je suis assez attristée du fait que en France, on a une extrêmement faible connaissance des pensées féministes qui se développent un peu partout dans le monde, et y compris assez peu de curiosité. Et donc, sur des sujets assez spécifiques, on a une pensée qui est pauvre, en fait, qui est vraiment très pauvre, alors même qu'à d'autres endroits du monde, sur ces mêmes sujets, il y a des théoriciennes, il y a des militantes qui développent des choses extrêmement intéressantes. Voilà. Je pense que c'est vraiment dommageable, et finalement, c'est surtout dommageable pour nous. Disons que sur des littératures spécifiques, il y a aussi la possibilité de... Je pense qu'il renvoie à un enjeu politique en France, qui est aussi de faire en sorte qu'elle soit portée en France par des personnes qu'elle concerne plus directement et qui donc vont pouvoir traduire un regard, une perspective de beaucoup plus subtile et beaucoup plus... qui va appréhender beaucoup mieux les choses, quoi. Donc, mais je pense que voilà, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la capacité à traduire un texte. Est-ce que c'est juste une compétence qu'on acquiert à l'école, ou est-ce qu'à un moment donné, on va avoir aussi des terrains de prédilection qui vont faire qu'on va le faire différemment ?
Encore merci à Juliette pour cette interview. On a déjà vu que tu avais un rôle de coordinateur, de maître d'orchestre, pour reprendre tes termes, au sein de la maison d'édition. Alors, on voit bien comment ça s'applique aux relecteurs, aux auteurs. Comment est-ce que ce travail-là, tu l'appliques aux traducteurs, aux traductrices en l'occurrence ? À peu près de la même manière. En fait, on a une relation d'accompagnement éditorial, si ce n'est qu'on a une troisième entité dans notre échange, qui est bien l'œuvre originelle et leur auteur autrice. Donc il y a un travail de discussion où on est totalement en confiance sur la qualité de traduction et les choix qui vont être faits, mais qu'il y a des choix qui sont à opérer, qui vont être pris ensemble. Tel mot à traduire ou à laisser comme tel parce qu'il n'existe pas de traduction équivalente, notamment dans des néologismes ou dans du vocabulaire militant, etc. Sur des récurrences, des lourdeurs qu'auraient peut-être été tolérées au départ dans un premier travail, mais que nous, on remarque, ou en tout cas, la traduction se remarque plus, et donc on fait des choix. Et donc là, justement, comme la relation est assez évidente avec l'auteur-autrice avec qui on a déjà échangé, on leur soumet aussi nos questions, nos voilà. Et donc on avance en aller-retour, est traduit par chapitre. Chaque chapitre fini, elle nous les envoie, nous on rentre dedans, on annote, on questionne, etc. Et il y a forcément des particularités supplémentaires comme le jeu des citations. Si les citations sont des citations d'ouvrages qui ont été eux-mêmes traduits en français, on doit intégrer comme citation celle qui a été dans l'ouvrage traduit et édité. Si ce n'est pas le cas, c'est la traductrice qui fera traduction de cette citation, par exemple. Et l'autre gros enjeu sont les notes. Les notes déjà présentes à traduire et à vérifier si on n'a pas une référence francisée à mettre en vis-à-vis. Et surtout, toutes les notes de traductrice et d'éditeur qu'on va rajouter. Des éléments de contexte, des choix qu'on aurait fait de laisser tel terme en langue originale et donc il faut le justifier, l'argumenter, etc. Voilà, c'est quand même une relation similaire, je veux dire. Je fais rien de plus que ce que je ferais avec des auteurs autrices, mais par contre un travail particulier, plus complexe, sachant que là on parle de langue anglaise. Je suis pas un expert de la langue anglaise. Je la comprends très bien, je regarde comme beaucoup de gens des séries et des films en VO et je suis plus longtemps habitué à l'entendre, la lire un peu moins et la traduire ou la parler beaucoup moins. Donc là, il y a aussi voilà, ce jeu-là de savoir aussi où je me situe, d'être bien à ma place en tant qu'éditeur en langue française et que le travail de traduction, il est bien de la confiance et de la responsabilité de la traductrice. C'est vrai que ça doit poser des questions particulières, notamment on a vu qu'une partie de notre boulot d'éditeur, c'était parfois de revenir sur des formulations un peu lourdes, sur des mots où on dit « Ah là, c'est pas très clair ». Mais là, on est vraiment confronté au fait que « Ouais, on aimerait bien changer ça, c'est pas très clair », mais en même temps, le fait est que dans le texte original, c'est un peu comme ça, quoi. Tout à fait. On rentre en discussion de ce qui est acceptable ou pas de rentrer en modification. Les auteurs autrices peuvent se rendre compte aussi, a posteriori, d'une insatisfaction et elle correspond à celle qu'on avait nommée, donc on accepte de la retravailler. Je pense à notamment leur introduction remerciement qui est vraiment très longue et très nécessaire à l'époque où il est sorti, mais dans un autre contexte de territoire avec une autre langue. On a échangé avec eux et on a convenu d'une réécriture de ces remerciements à une autre destination plus réduite, quoi. Si quand même ça doit aussi être un travail qui est moins chargé émotionnellement que dans un travail avec l'auteur. On n'a que deux exemples, là où on a 22 ou 23 avec des auteurs-autrices. Donc, c'est difficile de généraliser. Ces deux expériences-là se sont bien passées. J'ai des êtres humains en face de moi, donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Non, je pense vraiment que la relation affecte autour d'une œuvre est assez similaire. Heureusement que la traductrice, les traductrices tiennent aussi à cette œuvre qui est de traduire, en fait, qui est bien une œuvre à part entière, qui n'est pas juste un copier-coller dans une autre langue d'un ouvrage. Elles sont bien créatrices d'une œuvre. Donc, pour moi, elles ont tout intérêt à être aussi attachées à ce qu'elles font que les auteurs-autrices. Après, voilà, on en reparle dans une saison 10, lorsqu'on aura autant de traductions que de langue française.
On a vu que Juliette, elle avait justement à cœur de traduire ces textes-là pour transmettre des idées nouvelles, des idées éventuellement absentes de notre registre culturel. Toi, est-ce que ça te semble important dans le fait d'amener des textes en français ? C'est une part de... Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce choix de la traduction aux éditions du commun ? Bien sûr. Enfin, on ne peut pas se contenter, si on veut un accès le plus large possible à des savoirs, à des pensées intellectuelles, des choses qui se produisent aujourd'hui. Je ne parle même pas d'enjeux de globalisation, de savoir tout ce qui se traite dans le monde, mais qu'aujourd'hui, on est dans un monde internationalisé, globalisé, et on a intérêt, en tant que Français lisant du français, de se nourrir d'autres courants de pensée. Ça a été le cas, je pense moi toujours au travail des éditions Amsterdam, avec faire venir en France les Cultural Studies. Avant ces travaux-là de traduction, j'espère que je dis pas de bêtises et que personne n'est français là-dessus, mais il me semble qu'il y avait quasiment rien qui est arrivé en France, et donc c'était un travail nécessaire. Et donc c'est le cas, c'est le souhait de traduire un texte, c'est bien d'apporter un nouveau regard. Alinsky, c'était ça. Son entretien ne raconte pas du tout et ne permet pas un même accès au savoir que ses livres, qui ont été théorisés, pensés, écrits de certaines manières. La syntaxe plus court, c'est du parler et du très bien retranscrit parce que journalistique, et ça donne une entrée sur des termes en plus qui nous semblaient importants de recontextualiser en langue française, là où ils sont connotés comme communautaire, radicalité. Voilà, donc c'était ça qui a poussé l'entretien de Solalinski. J'avais fait au militant aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les milieux militants, c'est un sujet qui est encore trop peu travaillé, trop peu traité. La place de la joie dans les engagements individuels et collectifs, dans les luttes, etc. Et c'est avec ça qu'est arrivée Juliette, et bien sûr qu'elle nous a convaincus qu'il fallait le donner à lire. Et économiquement, est-ce que c'est un enjeu pour nous de traduire des textes ? Est-ce que ça... Effectivement, oui, c'est un enjeu qui est avant tout un investissement. Et je dis le mot investissement, c'est pour pas dire que on parle bien de charges que l'on souhaite dépenser. C'est-à-dire que le travail de traductrice est un travail vital. La valeur qu'elle reçoive, c'est correct, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Donc on n'est pas en train de dire que l'investissement, enfin les charges que sont la traduction sont un poids. Je dis bien que c'est un investissement dans le sens où c'est une charge, mais qu'on assume et qu'on a envie de dépenser. Par contre, clairement, une traduction comme Geoffrey Mutancy nous double le budget d'un livre, contrairement à un livre français que l'on vient à éditer. Une fourchette comme ça, un livre aujourd'hui nous coûte autour de 6000 euros à peu près, en moyenne, ça dépend de la taille des livres, etc. C'est pour donner un ordre d'idée. Donc quand on a 6000 euros d'avaloir de traduction, on double forcément le budget du livre. Donc, et je parle même, j'ai même pas intégré dedans la session de droit qu'on a payé, de 2000 $. C'est un réel investissement. Donc on mesure fortement le fait d'y aller ou pas. Clairement, il faut malheureusement que ce livre-là, ou heureusement, se vende bien. Sinon, c'est un coup à casser l'équilibre fragile qu'on peut avoir sur un ensemble de notre ligne éditoriale. Prendre trop gros risque sur un ouvrage viendra peiner tous les autres qui sont toujours plus ou moins ric-rac, quoi. Et par contre, donc, enfin, pour répondre à l'inverse, si on y va, c'est qu'on pense que il y a matière à ce qu'il soit largement diffusé, propagé, parce que il va parler à beaucoup de gens, et donc en vente, on va faire la bascule et s'y retrouver dans cet investissement de départ, quoi. À l'inverse, on peut aussi se demander en tant qu'éditeur comment transmettre son contenu vers d'autres pays. Nous, est-ce que c'est une question qu'on se pose ? Je sais qu'on est diffusé, on l'a déjà dit, en dehors des frontières françaises, dans d'autres pays francophones. Nos livres français sont diffusés, enfin vendus partout dans le monde, parce qu'il y a des francophones partout. Par contre, effectivement, sur des enjeux de traduction, c'est un souhait. Ce serait vraiment chouette d'avoir nos ouvrages traduits dans d'autres langues, parce que à l'inverse, on pense que certains de nos textes
peuvent être partagées et intéresser des personnes non francophones. On a eu des sollicitations j'ai en tête une grosse maison d'édition anglo-saxonne qui nous a demandé un service presse du travail du commun pour porter son intérêt. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Voilà, mais il y a des choses comme ça qui nous viennent. On a eu des propositions de traduction en langue allemande du petit manuel de discussion politique. Comme nos textes, pour juste une petite aparté là-dessus, nos textes sont en licence Creative Commons, on n'a pas intégré dans nos contrats d'auteur le fait d'être intermédiaire sur ces cessions de droits. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un nous contacte pour traduire un ouvrage, on botte en touche et on dit, au vu de la licence Creative Commons et de la dérogation de notre contrat d'auteur, c'est à voir directement avec l'auteur ou l'autrice. Donc nous, bien sûr qu'on sera tenu au courant par les auteurs autrices qui nous ont informé si vraiment ça aboutit, mais on est beaucoup moins en première ligne de l'avancée de certains travaux. Et quand bien même on serait tenu au courant, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du cordial et de la communication, parce qu'en fait on touchera rien sur ces traductions-là. On n'est pas notre domaine économique qui touche vraiment l'objet livre qu'on a imprimé en français, éventuellement qu'on vendra peut-être sous une autre forme. Mais rien d'autre, quoi. S'il est fait un film une version radiophonique d'un de nos ouvrages, on ne touchera rien là-dessus. Je sais que ça fait hérisser les poils de pas mal de collègues, parce que ça fait partie du modèle économique que de vivre aussi des droits dérivés. Mais en fait, je pense que nous, on n'en a pas fait un enjeu. Ce qu'on a fait un enjeu, c'est des répercussions qu'un ouvrage traduit amènera à parler plus de son ouvrage original. Et qu'en fait, on est déjà en train de parler de manière générale qu'on rémunère pas assez les auteurs-autrices. S'il est traduit, tant mieux. Ça leur fait de nouveau un nouveau contrat à négocier, de nouveaux droits sur un ouvrage qui a déjà été écrit pour eux. Donc c'est là où il commence à être un plus intéressant, parce que ça vient en bonus. Je vois bien comment on peut l'envisager comme un manque à gagner. En tout cas, nous, on n'a pas fait ce pari-là. Pour élaborer un peu sur les relations internationales du livre, mais aussi découvrir, parce que ça nous semblait important, le fonctionnement de l'économie du livre dans d'autres endroits. On a été rencontrer Michel Vézina, qui est auteur aux éditions du commun, mais surtout, parce que c'est quand même son activité principale, éditeur et libraire itinérant entre le Québec et la France. Bonjour, je m'appelle Michel Vézina. Je suis, d'abord et avant tout, je pense que je suis écrivain. J'ai publié 13 ou 14 bouquins, 15 même, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Comme auteur, des romans, des livres de carnet, un peu de poésie récemment. J'ai aussi été longtemps chroniqueur littéraire à Montréal, à la fois dans des médias écrits et aussi à Radio-Canada, la chaîne de radio nationale. J'ai été 12 ans chroniqueur littéraire là-bas sur un paquet d'émissions, surtout en remplacement ou comme chroniqueur spécial. Et je suis aussi éditeur, j'allais dire j'ai aussi été... Je suis éditeur, j'ai monté deux maisons d'édition au Québec, une qui s'appelait Coup de tête et qui était spécialisée dans le roman noir contemporain. Et une autre qui s'appelle Tête Première, qui elle était, il n'y avait pas vraiment de spécialité, c'est une maison d'édition de littérature contemporaine. J'ai aussi travaillé comme éditeur sur des projets spécifiques pour une maison qui s'appelle Les 400 coups, surtout des projets en histoire du théâtre, des projets de beaux livres sur des expériences théâtrales ou en danse ou en cirque. Maintenant, je suis toujours un peu ça. Je suis maintenant en Bretagne. On développe, avec ma collègue Pauline Gonzalo, on développe une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Buvard. Et on écrit aussi dans cette maison-là, on écrit on participe au collectif qu'on lance dans cette maison-là. Et on a aussi notre projet en duo qui s'appelle Ouida, où on crée des spectacles littéraires et on publie les livres, les textes, en fait, de ces spectacles-là. On les publie chez nous aux éditions du Buvard. En gros, c'est pas mal ça. C'est déjà pas mal, ouais. Du coup, on peut dire que tu as une certaine expérience variée du milieu du livre. Oui, le seul métier, en fait, que j'ai pas fait dans le milieu du livre, c'est diffuseur ou représentant.
J'ai été libraire, on a toujours une librairie ambulante qui circule de moins en moins, mais qui circule encore. Et au Québec, j'ai eu une librairie ambulante aussi, une librairie en fixe. Ouais, j'ai fait à peu près tous les métiers dans le monde du livre, que ça, c'est indéniable. Du coup, tu as une certaine expérience de ça, en dehors du cadre français, c'est ce qui nous intéressait aussi. Comment est-ce que tu définirais les différences du modèle québécois et du modèle français que tu as pu expérimenter? Mais d'abord, le modèle québécois s'est créé, il est tout récent. Hein. Le modèle québécois, il date des années 60, 70, 80, où il s'est installé. Avant ça, au Québec, il y avait quelques maisons d'édition qui étaient souvent des maisons d'édition de livres pratiques, quelques libraires éditeurs qui faisaient paraître un peu de poésie, un peu de littérature aussi, mais il n'y avait pas vraiment de modèle qui était avant les années 70. Il y avait le modèle d'éditorial était très, était plutôt absent. Et s'est créé un modèle d'édition au Québec qui s'est articulé autour de deux axes principaux. D'abord, parallèlement à la période d'affirmation nationale au Québec, c'est-à-dire dans les années 60, dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, sont apparus des jeunes auteurs à ce moment-là qui ont un peu forcé la création de nouvelles maisons d'édition locales. Et pourquoi locales? La plupart des auteurs avant, des vrais auteurs, se faisaient publier en France. Mais à un moment donné, il y a eu une vraie volonté dans ce mouvement d'affirmation nationale-là, en parallèle avec le mouvement d'identité nationale où les Québécois se sont mis à s'appeler Québécois, parce qu'avant ça, on était des Canadiens. Le Québec a commencé à penser à faire son indépendance aussi, même s'il y avait eu des mouvements avant. Mais parallèlement, il y a eu vraiment une volonté d'accaparation de la langue, de distinguer vraiment la langue québécoise de la langue usuelle française, même si en disant ça, je sais que je dis une grosse connerie, parce qu'il y a plusieurs français usuels en France, mais la manière d'écrire au Québec jusque-là était très normative. On écrivait comme on écrit en France, toi, avec la même... il n'y avait aucune reproduction de l'oralité qui était tentée. Donc, dans les années 60, il y a certains auteurs qui sont arrivés, qui au moins dans les dialogues se sont mis à tenter d'exprimer les spécificités langagières de la langue québécoise. Or, ces livres-là étaient... C'était impossible d'imaginer qu'on puisse les publier en France. Ça n'intéressait pas les Français, ni surtout les maisons d'édition. Donc, il s'est créé à ce moment-là des maisons d'édition qui se sont soit organisées autour de ce principe-là, soit organisées en réaction contre ce principe-là, en disant que si on se met à écrire en québécois, on va se créoliser... Et on va se couper complètement du reste de la francophonie, puis on va faire des choses que pour nous. Donc, on va monter des maisons d'édition aussi qui vont publier des livres qui vont être écrits en français normatif. Et ça a fait en sorte que le monde de l'édition s'est créé, donc, à partir de la fin des années 60, autour de cet axiome-là. En parallèle du monde de l'édition, évidemment, s'est créé un modèle, je dis évidemment parce qu'on y reviendra peut-être, mais s'est créé un modèle de distribution et de diffusion du livre au Québec, mais ces modèles-là, de façon assez bizarre, se sont créés à partir d'investissements français. Les deux gros distributeurs, diffuseurs de livres au Québec, Socadis et Dimédia, ont été financés, créés par, d'un côté, Gallimard et de l'autre, Le Seuil. Avec l'arrivée de la littérature dite québécoise, il y avait aussi une arrivée de lecteurs. Et là, il faut un peu connaître l'histoire du Québec. Jusqu'au milieu des années 60, je ne sais pas c'était quoi les taux d'analphabétisme, mais c'était énorme. Il n'y avait pas d'école publique au Québec avant 1968. C'était les couventeurs, des frères qui enseignaient. Et donc, les gens qui lisaient étaient très, très peu nombreux jusqu'effectivement la fin des années 60, début des années 70. Et tout d'un coup, il s'est créé une structure éditoriale pour nourrir et alimenter ces lecteurs-là. Et puis tout ça se passe en même temps. La création du réseau des universités du Québec au Québec, c'est en 1968. Bon, il y a eu énormément d'échanges entre la France et le Québec avant les années 60, mais le développement, disons, j'allais dire, de grand public, d'accès à un certain grand public, de la culture, de la littérature, de la musique, c'est arrivé sur 10 ans dans les années 60-70.
mais à une vitesse époustouflante, effectivement. Donc, le modèle a été créé, peut-être pas en copie conforme, mais certainement, en tout cas, en s'inspirant du modèle français. Le modèle québécois ressemble beaucoup plus au modèle français. Je parle d'édition, évidemment, là, ou de distribution du livre. Ça ressemble beaucoup plus au modèle français qu'au modèle américain ou au modèle canadien-anglais, qui, lui, est un modèle très exclusivement commercial. Chez nous, comme en France, ben, les deux modèles sont subventionnés à peu près à tous les niveaux. Même que moi, personnellement, là, je parle pas... c'est vraiment très personnel, ce que je veux dire là. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas de subvention aux éditeurs au Québec, il n'y aurait pas beaucoup d'éditeurs. Le modèle de subvention chez nous est très généreux. Il faut que tu aies fait tes preuves avant. Il y a des systèmes d'évacuation. Tu peux, parce que tu te dis éditeur, que tu vas être subventionné dès le départ. Mais une fois que tu es installé, une fois que tu as assez de publications pour être reconnu, ça peut être assez généreux. Tu évoquais les différences avec le modèle américain et canadien. Tu peux nous en parler un peu de ce modèle-là? Je connais pas beaucoup. Je sais que le modèle américain, c'est un modèle qui est strictement commercial. C'est un modèle qui... Il y a zéro subvention. Les maisons d'édition sont souvent aussi les propriétaires des organes de promotion du livre. Par exemple, je sais qu'un journal comme le Village Voice à New York, il était, ou en tout cas peut-être encore, mais était au moins la propriété de Grove Atlantic Press. Grove Atlantic Press qui sortait, c'est Penguins, tu vois, c'est tous les bouquins de la littérature américaine des années 50, 60, 70, 80, tous les grands auteurs publiés chez Grove Atlantic. C'est un modèle qui est très, très industriel et qui ne bénéficie pas de l'aide de l'État d'aucune manière. Et puis, le modèle est très cruel aussi parce que moi, je me suis fait dire à un moment donné que quand, en tant qu'auteur, tu publies un premier livre aux États-Unis, ça marche par doublon. C'est-à-dire que si ton premier bouquin, tu en vends 1000 exemplaires, par exemple, ben, l'éditeur va te faire un deuxième, mais il faut que tu en vendes 2000. Tu vois, si au deuxième, tu vends 1500, tu n'en feras pas de troisième. Et donc, si tu en vends 2000 au deuxième, ben là, le troisième, il faut que tu en vendes 4000. Et ça s'en va comme ça, en doublant à chaque fois. Sinon, tu n'es plus intéressant du point de vue de l'investissement. Chez nous, c'est pas aussi radical que ça, parce que moi, j'aurais pas publié tous les livres que j'ai publiés si j'avais fallu que j'en vende autant à chaque fois. Donc, il y a toujours. Chez nous, j'ai l'impression, puis en France aussi, qu'il y a encore, chez plusieurs maisons d'édition, un souci de la qualité littéraire. La grande, grande, grande différence entre les deux modèles, c'est qu'au Québec, on n'a pas le prix unique. Et ça, c'est pas tellement... Je suis pas certain que ça ait autant d'impact que ça. Pour moi, le prix unique, il a un impact surtout sur les librairies indépendantes. Sur les éditeurs, je suis pas certain qu'il y ait tant d'impact que ça, le prix unique. Mais sur les librairies... Chez nous, au Québec, les librairies indépendantes, je sais qu'elles souffrent beaucoup en France, là. Je sais qu'elles ont beaucoup de mal en France, mais chez nous, elles enferment je sais plus combien par année. La question du prix unique se manifeste surtout lorsque paraissent les best-sellers. C'est-à-dire que chez nous, les grandes surfaces, qui ne sont pas les mêmes qu'ici, mais qui ont la même fonction sociale et économique, on va parler par exemple de Costco, qui est une immense surface qui vend tout. Costco, ça vend épicerie, quincaillerie, meubles, tout. Et les livres qu'ils vont vendre ne sont que les best-sellers. Ils n'ont rien d'autre en étalage que des best-sellers. Ce qui fait que eux, quand un best-seller va sortir, comme il n'y a pas la loi du prix unique chez nous, ils vont pouvoir négocier directement avec l'éditeur des remises de l'ordre de 15-20 % sur le prix du livre. Mais ils commandent en ferme des grosses quantités. Au Québec, il y a énormément de gens, d'éditeurs et de libraires, évidemment, qui militent pour une loi du prix unique au Québec aussi. Nos gouvernements extrêmement libéraux ont beaucoup, beaucoup de mal avec cette idée-là. Voilà, donc la grosse, grosse différence se situe là. Même si en France, il y a des problèmes de survie de librairies indépendantes, je suis au courant de ça, ces problèmes-là sont beaucoup moins élevés grâce au prix unique qu'ils ne le sont au Québec. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Tu parlais de quitter le modèle commercial. Je sais, pour en avoir discuté avec une amie québécoise, qu'elle a une librairie associative à Québec. Toi-même, tu as choisi un modèle alternatif. Tu peux un peu nous en parler, voir comment c'est,
ces fonctionnements, on va dire, différents du modèle commercial classique qui fonctionne dans ce cadre-là? Bon, là, c'est un peu bizarre parce que le modèle qu'on a choisi donc, pour les éditions du Buvard, il est pas, on ne s'est pas installé au Québec. La maison d'édition est inscrite en France. On est une maison d'édition française. Mais en même temps, on a aussi décidé et choisi de travailler sur les deux territoires. Les éditions du Buvard sont inscrites en France, mais on va... Les deux premiers romans qu'on sort là, en juin, c'est deux auteurs québécois. On les lance au Québec, on va les diffuser en France, les faire circuler en France autant qu'au Québec. Et on va y vendre, éventuellement, on va publier des auteurs français aussi. La volonté de la maison, c'est vraiment d'être une maison franco-québécoise. C'est un modèle qui est très punk. C'est très punk dans l'esprit du DIY, là, du do-it-yourself. Nous, on a décidé qu'on y allait à fond, mais complètement à fond. Puis, ce faisant, on ne juge pas les autres modèles. Nous, on décide que c'est celui-là avec lequel on est confortable, c'est celui-là avec lequel on est à l'aise, c'est celui-là qu'on pense qui va nous permettre de dégager assez d'activités pour pouvoir arriver à en vivre, quoi, à se salarier. Puis mais c'est aussi un modèle qui va demander énormément d'imagination et d'énergie. Donc, quand on va en parler du modèle, là, je vais le décrire, là, parce que pour l'instant, c'est assez théorique. Nous, nos livres sont fabriqués à la main. On imprime nous-mêmes sur une imprimante laser. On découpe nous-mêmes. On imprime deux pages, en fait quatre pages par A4, on coupe en deux. Là, on va changer de format, on est dans des gros calculs de comment s'épargner, de comment éviter d'avoir trop de coupes pour arriver au format qu'on veut, parce que c'est du temps aussi, les coupes. Et on relie nous-mêmes. Donc, on utilise la reliure japonaise, qui est un format de reliure très ancien, là. Ces coutures apparentes à l'extérieur, au dos du livre, donc on les fait nous-mêmes, ces reliures-là, et on tire donc à très petit tirage. Jusqu'à maintenant, les livres qu'on a fait en collectif, on a tiré entre 50 et 100 exemplaires par livre. Quand le tirage est épuisé, on décide à ce moment-là, bon, est-ce que ça vaut le coup d'en faire un autre tirage? Si oui, combien? Ça peut être 30 exemplaires, ça peut être 50, ça peut être 100. Si on a vendu les 100 premiers en deux semaines, bien, ça se peut qu'on décide de tirer un autre 100, voire 200 exemplaires pour arriver à... On veut avoir nos livres en stock, mais on n'est pas obligé de s'imposer un premier tirage qui va demander une grosse trésorerie. Merci beaucoup à Michel et Pauline, d'ailleurs, sa partenaire dans Ouida, pour nous avoir accueillis pour cette interview. Quand on parle de coopération internationale, je pense à un salon dont on a, nous, entendu parler cette année, qui s'appelle Literal, à Barcelone. Oui, tout à fait. Je suis content que tu aies prononcé le nom et que je n'ai pas à le faire. malheureusement, on a appris aujourd'hui, là, le jour d'enregistrement du podcast, que comme énormément d'événements publics, il est bien sûr annulé. Donc maintenant, ça repousse au 20 et 21 mai 2021. C'est en fait, on a loupé la session de l'année dernière. C'est un salon du livre qui, en plus, à côté, a des rencontres professionnelles et qui essaie de mettre en contact des éditeurs, éditrices du monde entier sur 3 jours pour justement se rencontrer, avec une ligne justement un peu de maison d'édition de gauche, engagée, militante, comme on l'appelle comme on veut. Et donc on devait y aller cette année, et on espère y aller l'année prochaine. Mais voilà, c'est ce type de rencontre en présentiel permet à un moment d'avoir des gens qui nous présentent le livre au lieu qu'on entende parler ou qu'on les pioche en ligne. Cette coopération internationale-là, elle peut vraiment prendre des formes autres que la traduction. Je prends un moment pour parler de la coédition, parce que je trouve que c'est une pratique vraiment fascinante que j'ai appris cette année. C'est pas du tout dans de ce que j'en sais, c'est pas du tout dans le domaine des sciences sociales, mais dans le domaine des livres pratiques, donc jardinage, cuisine, etc.
jeunesse aussi, on a donc cette pratique de la coédition qui consiste à se coordonner entre 4, 5, enfin un certain nombre d'éditeurs de différentes langues autour d'un projet commun de livre, mettons, de cocktail. Donc qui va être accompagné, vous le savez si vous avez déjà ouvert un livre de cuisine, de très jolies photos qui sont donc très chères à produire. Hein, un livre en couleur avec plein d'images à chaque page, ça coûte cher. Et ce qu'ils vont faire, c'est que chaque éditeur va demander un certain nombre de livres. Donc, mettons qu'il y ait 5 éditeurs, qu'ils en demandent chacun 2000, ça en fera 10 000. Et ils vont imprimer 10 000 livres en couleur, ce qui va faire que ça va être beaucoup moins cher que d'en imprimer 1000, parce que plus on produit, moins c'est cher. Et ensuite, sur les livres en couleur, tous imprimés pareil, ils vont imprimer 2000 ouvrages écrits en français, 2000 ouvrages... Ils vont imprimer les écritures en noir, donc en beaucoup moins cher, séparément par tirage, par langage. C'est ce genre de pratique que je trouve vraiment fascinante dans le domaine de la coopération, qui montre qu'il y a des choses à faire qui ne sont pas juste prendre un livre et l'amener dans une autre langue. Parce qu'en termes de répartition, de mutualisation des coûts, c'est aussi énorme comme méthode. Nous, on connaît peu ou pas du tout même la couleur dans nos travaux d'impression, mais oui, c'est tout de suite un énorme enjeu, quoi, la photo. De façon générale, aux éditions du commun, est-ce qu'on envisage, on va dire, d'autres projets de traduction ou de collaboration à l'étranger, justement ? Oui, en tout cas, c'est un souhait qu'on porte. Après, pratiquement, c'est pas toujours évident à mettre en place. Moi, j'avais comme ambition d'avoir un projet de traduction par an. On a eu un en 2018. Là, on en sort un en janvier 2021, mais c'est le projet 2020. Donc là, il y en a un tous les deux ans. C'est surtout, voilà, comme on l'a vu, la question financière, de pouvoir se le permettre. Donc, je pense qu'au-delà de un par an, c'est vraiment trop conséquent. On n'a pas parlé des financements à cet endroit-là, de la traduction, mais on peut aller chercher des aides, hein, comme on a été en chercher pour d'autres choses. C'est pas tout le temps sûr qu'on les ait, mais en tout cas, c'est possible. Et après, ça nécessite effectivement de mettre en place ce que tu évoquais tout à l'heure pour la Talente et d'autres, la veille, c'est-à-dire de pas simplement être passif et attendre qu'on vienne à nous avec des textes, mais nous de commencer à sentir comme on le fait de plus en plus pour sentir des livres en devenir en France et pas attendre que les manuscrits. Ça, c'est vraiment devenu notre pratique. Autant pour l'étranger, ça nécessite de mettre en place des outils, une capacité à lire ou une capacité de comité de lecture qui liront dans la langue originale pour nous, etc. Oui, c'est vrai que c'est ça la plus grosse difficulté. Juliette est un peu revenue dessus, mais on n'a pas... pour pouvoir faire de la veille sur de la littérature étrangère, il faut des gens qui comprennent les langues étrangères. Et alors, anglophone, ça se trouve, mais ce serait dommage de se cantonner à ça, sachant qu'il y a beaucoup de choses dans les pays hispanophones et dans les pays qui n'étaient pas non plus issus de langue impériale, comme le dit Juliette, donc des pays dont la langue elle est beaucoup moins largement diffusée dans le monde. Sur ces mots, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode et donc de cette première saison de la mécanique du livre. Merci beaucoup, Benjamin. Vous ne voyez pas, c'est le principe de la radio, mais du podcast, mais moi je verse une petite larme quand même. C'est quand même 8-9 mois là, de travail ensemble, du gros travail de Corentin, et ça je te remercierai jamais assez. On te remercie aux éditions du commun pour le travail que tu as accompli, parce que entre encore une fois un vœu pieux de faire une émission de podcast et arriver à le concrétiser, il y a un grand cap que toi t'as su franchir et qu'on n'aurait pas pu faire sans toi, vraiment. Je compte bien à la sortie du confinement qu'on arrose tout ça. De toute façon, on a prévu de continuer de se voir, donc si c'est pas du podcast, on va continuer de bosser ensemble. Et je me permets de dire aussi merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, à toutes les personnes qui vraiment nous font part de plus en plus de leur retour, et ça compte beaucoup. Enfin, je pense que avec Corentin, on se partage vos petits mots qu'on reçoit respectivement, parce que ça donne du sens, voilà, à ce qu'on fait. Bien sûr que quand on lance un podcast, comme quand on lance un livre, on y croit, mais ça ne veut pas dire que les autres y croiront aussi. Donc c'est chouette de voir le chemin qu'on a parcouru en 8 épisodes. On a plein d'envie et on a envie de continuer sur une saison 2. Mais il y a plein de questions qui se posent de temps, de ce qu'on y met. Mais ça, on a rendu compte qu'on avait plein de choses à y mettre. De format sûrement qui changera, et puis aussi de temps et donc d'argent. Et on vous avoue que si plus on a de retours positifs ou constructifs ou critiques sur ce qu'on a fait là en 8 épisodes,
plus ça nous aidera à nous dire que oui, faisons le pari de continuer sur une saison 2. Exactement. Enfin, c'est vraiment le premier truc à dire, c'est que vos retours, ils nous font vraiment ils nous font réfléchir et en tout cas, ils nous encouragent à continuer, donc n'hésitez pas à nous en faire. Je me joins aussi à Benjamin pour vous remercier tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de cette première saison. C'était vraiment un plaisir de la réaliser, un plaisir d'essayer de la rendre aussi intéressante que possible et passionnante pour vous. Et j'espère que ça s'est senti en l'écoutant. On voudrait remercier aussi Emilien, qui se charge du montage et qui a réalisé la petite musique que vous entendez en fond de chaque épisode. Donc merci beaucoup à Emilien et merci aussi à Chloé Hauser, qui a donné un visage à cette émission. Je lui disais récemment... entre nous, mais moi, j'arrive plus à dissocier la mécanique du livre de sa patte, de ses graphiques. Et pour ça, vraiment, merci. Merci aussi à tous les intervenants qui sont venus partager leur expérience lors de cette première saison. Je pense que chacun d'entre eux a vraiment apporté quelque chose de différent et c'était vraiment appréciable de pouvoir compter sur eux pour créer tout ce contenu-là. Comme on vous l'a dit, on réfléchit à la possibilité d'une seconde saison, donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressé, si vous avez des retours. On vous souhaite à tous un bon courage pour cette période compliquée, en tout cas dans laquelle on enregistre. Merci à vous et à bientôt pour la suite. À très bientôt.